Est-ce que vous savez que Jésus est vivant? Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il guérit toujours aujourd'hui. Il délivre toujours aujourd'hui. Il ressuscite les morts aujourd'hui. Et il transforme les vies aujourd'hui. Le plus grand miracle, c'est la transformation d'une vie. Je le sais parce que je l'ai expérimenté moi-même. Avant Jésus, j'étais mort. Mais aujourd'hui, j'étais vivant. Avant Jésus, j'étais addict à la drogue. Mais aujourd'hui, je suis libéré. Avant Jésus, j'étais très timide. Mais aujourd'hui, je prêche la bonne nouvelle partout dans le monde. Et par la grâce de Dieu, je suis ici à Ngozi pour Ngozi. C'est seulement par la grâce de Dieu. Je suis le preuve vivant que Jésus est vivant. Je sais que Dieu est vrai. Pour ceux qui connaissent pas mon témoignage, Jésus a complètement transformé ma vie. Et une chose qui m'a révélé, c'est la réalité de l'éternité. La réalité que Jésus est le seul chemin. Et que tous ceux qui croient en lui peuvent avoir la vie éternelle. Vous savez, quand j'ai donné ma vie à Jésus, Dieu m'a donné un soif pour la parole et pour la prière. Je priais et je lisais la Bible tous les jours. Mais le plus que je lisais la Bible, le plus que je voyais que Dieu est vivant, alors je me suis dit, Seigneur, si ta parole est vraie, je veux vivre ta parole. Je veux voir tes miracles. Je veux voir les transformations. Je veux voir les résurrections. Et un verset qui m'a transformé. La Bible nous dit dans Marc chapitre 16. Prêche l'évangile à toute création. Et voici les miracles qui vont accompagner tous ceux qui ont cru. Ils vont parler en nouvel an. Ils vont chasser les démons. Ils vont prendre des serpents et boire du poison. Et ça va pas leur faire mal. Ils vont imposer leurs mains sur les malades. Et les malades seront guéris. La Bible nous dit que les miracles accompagnent tous ceux qui ont cru. Pas tous ceux qui sont spéciaux. Pas tous ceux qui ont un don spécial. Pas tous ceux qui sont prophètes. Mais tous ceux qui ont cru. Est-ce qu'il y a des gens qui croient dans cette salle? Alléluia. Amen. Et quand j'ai compris cela, j'ai décidé de sortir de ma maison. J'ai dit, si je vais être un chrétien, je vais réellement être un chrétien. Je ne veux pas seulement aller à l'église des immenses, mais je veux vivre la puissance de Dieu tous les jours de ma vie. Alors j'ai commencé à sortir dans les rues. Un jour j'ai vu une jeune fille avec des béquilles. J'ai dit, j'ai Jésus qui vit en moi. Alors si je prie pour elle, elle va être guérie. Alors je me suis approché à elle. Et Dieu m'a frappé avec un froid. Et je dis, au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri. Et par la foi, j'ai pris ce béquille. Jésus marche au nom de Jésus. Et elle a commencé à marcher sans problème.
Cette jeune fille a commencé à couler des larmes. Elle a dit, aujourd'hui je vais aller à l'église. Parce que la parole de Dieu, la parole de Dieu, ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. La Bible nous dit que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais vous partager un autre témoignage. Il y a environ un mois, j'étais en Corée. Et j'ai trouvé quelques disciples là-bas. On a dit aujourd'hui, on va sortir pour prêcher l'évangile. Et pendant qu'on marchait au centre-ville de Corée, on a vu un couple. C'était un couple vieillard. Et l'homme ne pouvait pas marcher sans l'assistance. Il a fait un fauteuil roulant. Alors j'ai approché cette personne. Et j'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Et il a dit oui. J'ai pris ses mains. J'ai dit au nom de Jésus, marche maintenant. Alors je l'ai pris par les mains. Je l'ai aidé à se lever. Il s'est mis debout. Après, je suis reculé de lui. J'ai dit, marche maintenant au nom de Jésus. Il a commencé à marcher normalement. Je vous partage ces témoignages pour vous faire, pour vous montrer que notre Dieu est vivant et il peut agir aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des chrétiens, si ce n'est pas la révélation que de la puissance qui vit en eux, la Bible nous dit que le même esprit qui a fait ressusciter Jésus de la mort vit en toi. Alors qu'est-ce que tu peux te limiter? Rien ne peut arrêter la puissance de Dieu. Et si tu as cette révélation, Dieu va t'utiliser puissamment pour faire les mêmes œuvres que Jésus. Et même plus grand. Parce que je ne suis pas spécial. Je suis le seul enfant de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et je crois à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vivante. Si la parole de Dieu nous dit que tous les croyants peuvent guérir les malades, la parole de Dieu est vraie. Et si tu appliques la parole, la parole de Dieu va se manifester. Alors si tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie, il faut croire à la parole de Dieu. Jésus a dit, crois seulement et tu verras la voix de Dieu. Mais non seulement tu dois croire, mais tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Jésus a dit, faites-le les disciples dans toutes les nations, faites une évangile à toute création et je serai avec vous jusqu'aux extrémités de la terre. Et la Bible nous dit que Jésus a confirmé la parole avec des signes et des prodiges, avec des miracles. Alors si tu peux expérimenter la puissance de Dieu, tu dois obéir la grande commission. Tu dois prêcher l'évangile. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas eu honte de l'évangile. Ça, c'est la puissance de Dieu qui nous amène au salut. Parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus lui a dit, si tu ne crois pas mes paroles, au moins croyez les signes. Au moins
sorcellerie qui opère dans le surnaturel. Et le diable est un menteur. Et Jésus est le vrai Dieu vivant. Jésus est le tout puissant. Il n'y a personne comme Jésus. Tout genou fléchira. Tout le monde confessera que Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a personne comme lui. Et il agit toujours aujourd'hui. Mes amis, on n'est pas dans une religion. On est dans une relation avec le Dieu vivant. Le Dieu qui nous a créés. Le Dieu de Moïse. Le Dieu d'Élie. Le Dieu de Daniel. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la vérité, Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ.